Donc lui, c'est Baptiste Marché, un youtubeur d'extrême droite qui a été l'invité de TPMP à plusieurs occasions. Mais en réalité, le mec a un passé très sombre. En fait, quand Baptiste Marché s'appelait encore Baptiste Deodati, il était tout simplement un membre actif de la sphère néo-nazie. Il a d'abord fait partie des JNR, le groupe de combat néo-nazi fondé par le skinhead multicondamné Serge Ayoub. C'est un mouvement qui a été impliqué dans plusieurs tentatives de meurtre, jusqu'à l'assassinat de Clément Méric en 2013. Puis, suite à la dissolution des JNR, il a rejoint le groupe de hooligans néo-nazis du COP of Boulogne. En fait, j'ai commencé à traîner avec des mecs qui allaient au COP de Boulogne. Ok, ah ouais. Le virage de COP de Boulogne après. Ok, ah ouais, chaud, ouais. On connaît tristement les membres du COP of Boulogne pour leur chasse aux supporters juifs qui s'était soldée en 2006 par un mort. Enfin, il a aussi été un membre actif des Praetorians, un club de motards fondé encore une fois par Serge Ayoub et composé intégralement d'anciens membres des sphères suprémacistes et néo-nazis. Ses liens avec le pire de l'extrême droite, Baptiste Marché les avait encore très récemment. Par exemple, en 2016, il était sponsorisé par nul autre que Loïc Lepriol. Loïc Lepriol, le militant d'extrême droite qui a assassiné le rugbyman Martin Arambourou l'année dernière sur un motif raciste. Autant dire qu'Hanouna devrait faire beaucoup plus attention quand il choisit ses invités.